Salut les pilotes, bienvenue à cette nouvelle vidéo Xenoblade Chronicles 2 et aujourd'hui on s'intéresse d'un petit peu plus près aux costumes qui nous ont été fournis avec le patch 1.5.1 qui a vu la sortie de l'Oracle du Chaos entre autres. Ces costumes nécessitent généralement entre 100, 150, 200 voire même 300 pièces noponiques, 300 gemmes noponiques que vous devez farmer donc à travers les différents niveaux du mode challenge. On va voir tout de suite si ils en valent la peine. Les deux premiers costumes, Rex Roi de la Mer et Mitra Carbone. Alors Rex le Roi de la Mer, plus 60% de chance de nouvelle attaque en cas d'auto-attaque réussie. Il y a le cube noir qui s'obtient en mode challenge et qui a lui 75% de chance de nouvelle attaque en cas d'auto-attaque réussie. Donc statistique ici c'est moins bon évidemment. Au niveau look, le vert, le noir, assez sobre, pas très très funky ici. Le design de l'armure est plutôt sympa, mais sinon sans plus. Et puis on a Mitra Carbone. Mitra ici à nouveau aborde une tenue assez fantastique et qui lui va bien. On dirait que un rien de l'habit, les cheveux violets, l'armure noire et verte, les petites bottes violettes et noires vertes. Malgré les statistiques ici, puisque c'est dégâts combo de lame de 30% et qu'il y a combo de lame 6 qui est meilleur, on constate à nouveau une Mitra qui est au top. Pour Pyra, il y a Pyra Azur qui augmente le taux de coup critique de 20% au niveau stats, c'est inférieur à coup critique 6 qu'on peut obtenir en mode challenge. Et au niveau en tout cas du look, on a ici une Pyra, qui a une chouette tendance au bleu gris au niveau de ses jambes, voire un petit peu de vert au niveau de ses chaussures. Et je trouve que toujours ici que le problème se situe au niveau de ses cheveux, qui a priori quand ils sortent de son roux rouge initial de l'histoire, je trouve font perruque et non pas cheveux réels, contrairement à quelqu'un comme Mitra à qui le changement de couleur vont assez bien. L'un dans l'autre, ici deux beaux costumes quand même pour Pyra et Mitra, mais surtout pour Mitra. Couple suivant, il s'agit de ce cher Zeke et de cette chère Pandoria qui eux deux ont cette fois-ci, moi je trouve, deux habits assez cool. Il y a Zeke justicier aveuglant qui augmente les dégâts des coups critiques de 50%. C'est bien sûr pas le plus élevé puisqu'il y a maintenant le serre-tête écarlate qui peut s'obtenir en mode challenge, mais au niveau de son look, je trouve ça plutôt sympa. C'est pour moi la meilleure tenue de Zeke, bien mieux que sa tête blondinette qu'il a eu auparavant. Zeke, l'un dans l'autre, a quand même trois looks qui lui vont assez bien. Trois costumes qui lui ont mis, c'est dommage vraiment pour les statistiques parce que si on veut aller tout titiller le mode challenge jusqu'à Oracle du Chaos, on va avoir besoin du serre-tête écarlate pour faire vraiment des dégâts. Et là, on se retrouve avec 10% de moins. 60 à 10 à 50, c'est quand même assez important au niveau de l'écart. Et en ce qui concerne Pandoria, on a peut-être ici sa tenue la plus funky, puisqu'elle aborde là une espèce de mini short rose, des petites bottes blanches avec des petits cœurs partout, et une tenue blanche avec des petits cœurs partout. On voit à peine ses lunettes également lorsqu'on tourne la caméra. Je trouve que c'est aussi finalement la tenue la plus funky qu'elle pouvait avoir, même si au niveau des statistiques, eh bien c'est en dessous de Attack en Tank Max 6 qui est également disponible dans le mode challenge. À nouveau ici, finalement, Pandoria et Zeke sont réunis sous des couleurs qui sont plutôt, plutôt sympas. Couple suivant, il s'agit de Morag et de Brigitte qui abordent toutes les deux un nouveau déguisement, un nouveau costume. Donc on a ici Morag écarlate avec, qui augmente la dextérité de 32% et qui est statistiquement moins bon que les gants de rapidité qui s'obtiennent en mode challenge et qui augmente la dextérité de 37% au niveau de son look. C'est un look un peu plus proche de son premier, un look très militaire, mais un couleur rouge écarlate qui va plutôt bien et en rapport avec les thèmes de couleurs d'Oracle du Chaos, qui sont le rouge et le bleu. Et enfin, on a Brigitte Orchidée Jade qui en tank max augmente l'esquive de 16%, donc c'est esquive en tank max 5, je ne sais pas si le 6 existe en mode challenge, en tout cas je ne l'ai pas. Et au niveau de son costume, il est tout aussi classe que le précédent, même si moi je préfère le rouge rouge, et ici Brigitte est à nouveau vraiment au top. Le costume le plus cher, c'est Dromarche Obsidienne qu'on peut voir ici, qui transforme complètement Dromarche en panthère noire, et un costume qui réduit l'hostilité générée par les arts spéciaux et de pilote de 15%. Il s'agit quand même de quelque chose qui coûte 300 gemmes noponiques et qui lui redonne peut-être un meilleur look, mais cela ne rend toujours pas Dromarche plus puissant ou plus menaçant, il reste toujours une lame en dessous des autres malgré tout.
Enfin, un des costumes les plus réussis en ce qui me concerne, il s'agit de Nia Sorcière de Sang, qui lui donne ici un look à la Albator, un espèce de pirate de l'espace. C'est un costume qui augmente l'efficacité des arts de soins de 24%, donc en dessous du collier du sein qui est à 29% collier du mode challenge. Mais ici, on a sans doute le meilleur costume de la part de Nia, sans doute bien meilleur que son costume original et que le premier qu'on a obtenu avec le mode challenge. Enfin, Thora et les Poppy, on a ici Thora Steampunk, les auto-attaques soignent à hauteur de 9% des dégâts causés. Il y a mieux en mode challenge, c'est l'Alexandrite qui s'élève à 11%, mais au niveau de son look, c'est nouveau quelque chose de super sympa. En ce qui concerne Thora, on dirait un petit panda avec une crête de punk, ça lui va vraiment à ravir. Et pour Poppy Alpha, on a ici Poppy Alpha Bleuet, un rame compétence qui a 25% de chance de regagner 12% de PV après avoir subi des dégâts. Un Bleuet pour moi assez fade, je préfère sa version originale. On a ici ensuite Poppy Beta Princesse qui, à entente max, augmente l'esquive de 16%, également aussi une rame compétence. Pour moi, en tout cas, ici, le Bleuet comme la Princesse, ce sont deux costumes qui sont pas terribles. En tout cas, ça les change un petit peu. Dans les deux cas, je préfère normalement leur version originale, mais bon, ça c'est chacun ses goûts, évidemment, hein, les goûts et les couleurs, tout le monde ne partage pas les mêmes, mais alors vraiment, je trouve que le costume qu'on a donné à Poppy Gamma, ici, les cheveux verts, là, l'écharpe orange, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui lui va très très bien. Je préfère de loin son apparence originale que vraiment ce qu'on a donné là. Donc de manière générale, je suis un peu déçu en ce qui concerne les différentes Poppy. Et enfin, pour vous aider à farmer les gemmes noponiques, moi j'effectue le défi du Froussard en mode facile. En termes de temps investi dans le combat, il s'agit d'un combat qui dure à peu près une minute, pour lequel on peut obtenir donc suffisamment de cubes pour obtenir 3 coffres à la fin du combat, et avec ces 3 coffres avoir 18 gemmes noponiques. Donc c'est carrément 18 gemmes noponiques par minute, puisque c'est un combat qui dure une minute, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 minutes de combat, vous avez déjà 180 gemmes pour farmer. Allez, ce sera peut-être pas 10 minutes, ce sera peut-être un quart d'heure, mais en tout cas ici vous pouvez voir que c'est très efficace. Il faut d'abord bien sûr se focaliser sur les Pipito Bandito, hein, pour tous les tomber assez vite, en évitant de faire des AOE qui va attirer Dagmara et les deux autres qui sont à côté de lui. Faites attention, parce que dès que Dagmara rentre dans le combat, cela peut faire très très mal. Et une fois que vous avez tué les banditos, il faut s'occuper des deux autres sur les côtés de Dagmara avant de vraiment finir Dagmara lui-même. Alors pour cette technique, et je pense pour les avoir exploitées à peu près toutes, la plus efficace en termes de temps, il faut quand même vous munir de quelques lames. On va vite faire un tour d'un stuff et d'une configuration qui n'est pas obligatoire. Donc ici, j'ai Fiora avec une attaque intérieure 6, un fléau des bêtes 6 et un attaque en tente max. Shulk avec attaque intérieure 6, AK en tente max 5, fléau des bêtes 5. Telos attaque en intérieur 6, attaque en tente max et Arspé 2 niveau 6, même si je le fais quasiment jamais dans ce cas-là. On a également, ça c'est sur Zeke, puis sur Rex, on a bien sûr Mitra qui elle aura un attaque en intérieur 6 avec un attaque en entente max 6, c'est le seul que j'ai d'ailleurs de ces ententes max 6. Ici on aura Herald à intérieur 6, attaque entente max et un fléau des bêtes, et également fléau des bêtes 6, attaque entente max 5 et attaque en extérieur en intérieur 6 pour Zenobia. Rex, lui, je l'ai muni d'un serre-tête écarlate, d'une médaille avant-gardiste et d'un cache-œil high-tech. Ce sera exactement la même chose pour Zeke. Et par contre, Thora aura un cache-œil high-tech, un serre-tête écarlate et une monture de prof pour réduire la résistance de l'ennemi au déséquilibre, parce que vous allez faire des déséquilibres sur l'ennemi et comme ça, vous allez être capable de faire des combos mixtes. Pour la nourriture, le pain vapeur upi et la gelée de poire sucique font suffisamment d'effets. Il peut y avoir aussi l'astrologie facile ici que j'ai mis par exemple sur Rex pour les dégâts des arts spéciaux, ou le groignoiseau grillé également pour la recharge des arts à 0,4 en ce qui concerne Zeke, parce que Zeke aime bien la viande. Voilà, et en ce qui concerne nos Poppy également, vite fait, je vous mets les configurations, vous pouvez faire pause pour voir la vidéo et voir également donc ce que ça donne pour vos différentes configurations. C'est surtout Poppy Gamma, puisque je prends Thora
en lame principale, et je n'appelle pas les deux autres Poppy, si ce n'est pour éventuellement leur mettre un mode super patate pour Poppy bêta, et pourquoi pas un mode éther pour Poppy alpha. Voilà, cher pilote, on a fait le tour des différents costumes qui coûtent entre 150 et 300 gemmes noponiques. Ça dépend vraiment vers lequel vous allez. Je les ai farmés, moi, assez vite grâce à cette technique, notamment Comte d'Agmara. Si vous avez les coroxyliers adéquats, les accessoires aussi, ça peut aller assez vite. Sinon, faites-vous plaisir, hein, faites les challenges en mode normal, passez un petit peu partout et au bout du compte, vous aurez finalement suffisamment de gemmes noponiques pour vous offrir ces costumes. Ils sont pas tous vraiment terribles, hein. On retient surtout Zik et Pandoria qui sont plutôt sympas, les Poppy qui sont le moins sont un peu ratés, une Mitra Carbone encore à hauteur, une Brigitte et une Morak qui sont toujours assez classe, enfin, l'un dans l'autre ici on se retrouve avec des choses qui sont plutôt chouettes. Voilà, chers pilotes, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit, la bonne matinée, ce que vous voulez. Ciao ciao, à bientôt.